Ah bon, on est plus que 10, 11 sur le salon, donc ouais, t'as le temps de faire l'aller-retour. Hein. C'est fait. 12. Ah, ça se remplit, dépêche-toi. C'est moi qui rentre. Et on peut, ouais, on peut être jusqu'à 16, quoi. Je pense. Là, je charge. Ouais. C'est bon. Impeccable. Modifier réglage. On va peut-être pas trop forcer sur les freins parce qu'on a pas d'ABS là. Oui. Ouais. Ah, par ouais. Contre, j'ai peut-être viré de l'appui. On est quand même, c'est quand même une GTE. On est bien, ça va envoyer du pâté. Ouais, puis le couple qu'elle a, voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais me remettre à 5 à l'arrière. Je vais peut-être laisser le 1 à l'avant. Oh, je vais peut-être même descendre à 4 à l'arrière. Soyons fous. Je vais tenter comme ça pour voir. Ah, gros bébé. Qu'est-ce que t'as dit? Non, non, mais sinon, c'est... Enfin, c'est pas hyper embête, quoi. Mmh. Allez, c'est parti. Ah, là, ça, c'est pas une Porsche asthmatique, ça. Ça, c'est bon, ça. Oh, pardon. C'est ça. Ça vous réveille. Oh, par contre, le raidillon sans appui, ça va être chaud. Ouais, faut que ça chauffe. Je me suis fait peur là. Bon, on va voir ce que ça donne. On va. Bah, un gros tétaqué au complet pour moi direct. Non, cinquième soulagé, le rayon il passe hein. Ah non, moi je suis arrivé dedans 6 à fond. Ah ouais, mais ça c'est Max. C'est ça le problème de Max. GTE ou pas GTE, merde. Putain, je sors des box, je bats le record du segment 1. Ça a l'air d'être une grosse session. Non, c'est personnel évidemment. Mais bon, si. Par contre, le couple en sortie de virage, il est formidable. Ah là là, c'est quelle relance. Par contre, derrière, va falloir au moins remonter à 6. Hein. Je vais remonter la pluie parce qu'à 4, c'est juste pas possible. Je re-rentre tout de suite parce que c'est juste catastrophique. Non, non, il faut clairement remettre sa bouche, mais de partout. Allez, ouais, 6, allez, hop, 6, c'est parti. Extérieur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je l'aime. Et oui, dans cette course en ligne, vous avez même des déclarations d'amour. Et entendre Max dire être qu'il est amoureux d'une bagnole différente d'une BM, c'est rare. C'est... Quoi, c'est là où je fais la révélation. J'ai travaillé pour General Motors, c'est que... Faut pas le dire. Ah bah, c'est dit. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça passe pied à fond en 6ème le... Bah oui, Blanchiment passe pied à fond en 6ème, ça va. Avec 4 à l'arrière. Par contre, je dois freiner à 800 mètres avant le bus stop. Alors que c'est une GTE. Ah, c'est ça, quoi. Par contre, je peux prendre le bus stop en 2ème, il y a tellement de couples. Ah bah, régime, aucun problème, quoi. Il a passé que sa mère, lui. Non ? Bon, d'accord. Je te demande même pas ce qu'il avait comme bagnole si t'as dit ça. Non, 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 il avait bien une Z4, monsieur, sauf que, bah... Il laisse passer la Corvette, alors je vais moins vite en courbe que la Z4 GT3, quoi. Le truc est tout à fait logique. Et j'ai tellement peur du départ au rayon. J'ai juste une GTLM, mais je tiens, enfin, je tiens moins en courbe que les GT3, quoi, le truc, mais normal. En fait, en courbe, moi, je laisse une vitesse de plus que d'habitude, et elle glisse toute seule, en fait. Ouais, tu relances au coup. Ouais. Ouais, obligé, parce que si je relance en passant la puissance, elle part direct. Par contre, elle est raide, hein. Ah, mais j'ai encore durci l'arrière, moi. Ah, la vache. Avec le train avant, il touche un peu le vibreur. Ah, non, mais faut pas toucher le vibreur. J'ai l'impression de me taper un Donan là. Bah, tu te rappelles les quand on les a vus au Mans, les Corvettes, les chicanes Ford et le raccordement. Si elles tapaient les vibreurs, c'était fini. Hein.
Non mais moi aller au Mans. Quoi. Non, regardez le Mans. Ah non. Je m'abaisserai jamais à ça. Ça c'est fait. Quand tu goûtes 24h d'une heure, bah, tu peux pas... Non. C'est un long débat dans lequel je vais garder ma neutralité. Même si tu sais ouais. Mon avis. Le sale menteur. Oh, j'ai failli la perdre au raccordement. Bon, 3 minutes, ouais, j'ai plus que... Ouais. Bah, tu feras un tour. Une tentative, ouais. J'ai une tentative. Blanchis-moi le voilà, et je suis directement freiné par une Porsche qui ne veut pas laisser la place en réunion. Moi là je suis pété. Espèce de f***. Tu vois pas mes feux jaunes là qui clignotent? Mais j'y crois pas. Non mais. Voilà, le taquet qui va bien. Et je la perds. Et je la perds évidemment. Quand tu vois qu'avec mon tour de sortie j'ai le 7ème chrono, tout va bien. Allez quand même. Ah, j'ai un peu tapé le devant, j'ai perdu 5 secondes dans l'histoire. Ah, je suis en 2,25. Ah, c'est moche. Ah, c'est très moche, ouais. Et j'ai les pneus qui montent pas, je suis à 80 dans les pneus. Pareil. Même problème. Ouais c'est ça, hein. C'est, tu maintiens une vitesse de plus quand j'étais 3 et ça passe nickel. Ouais. Le problème c'est que c'est, on a l'anti-patinage mais c'est comme si c'est pire qu'une GT3 quoi. Ouais mais il est nécessaire. Hein. Ah bah ouais parce que c'est comme si je n'avais pas. Ah, j'ai chopé un plot. Le train avant est fabuleux. Ah oui, non, mais là, moi, je suis en train de me faire plaisir. Il rentre tout seul. Bon, une seconde 5 de mieux dans le deuxième secteur. Ça commence à sentir bon. C'est combien, je ne enregistrerai même pas de temps. Ah non, bah, à mon avis, moi, c'est mort. Hein. J'ai même pas de temps. Englué dans le trafic, j'ai réussi à rien faire. Ah, il y en a un qui est sorti au Durédion, j'ai vu. Oh, l'accélération, ce que je mets à la Porsche qui essaie de me suivre. Et pourtant la Porsche voilà, est pas mauvaise. Hein. 2,47. Ouh. Oh, je la perds au rayon. Oh, je l'explose. Oh. Bouge pas, j'arrive. J'ai perdu l'arrière. A priori, on est parti à deux. Allez, oh là, il y a du coup avec une Z4 en plein milieu. Enfin, c'est un gros carnage. La Z4 vient de partir. J'ai détruit la Corvette. Ah bah c'est toi là. Ouais. Bon, 8ème temps. 2,22. 12. Non mais je suis 12 en 2,47. Ah je suis en 2,22,4 quoi. Ah il y a le premier temps 2,15. Ouais mais avec une Z4 effectivement si on triche. Non je plaisante. Ah on a connu des gars qui étaient en 2,14 en Z4 nous hein. Ouais, Timmy fait une seconde de mieux. Ah bah j'espère que vous aviez fait vos niveaux messieurs. Pourquoi? Pour le carburant. Tu partais avec le setup de base donc théoriquement... 85 litres, ça fera 8 tours. Ça tape à droite. Oh, ça passe crème le Rédillon là. Oh, ça passe bien. Oh. Je suis englué dans les. Je
putain, 5 secondes, pardon, excusez-moi, 5 secondes de pénalité. Englué dans le trafic et bam. Ah, c'est bien de me prévenir qu'il y a des pénalités. Et tout le monde est phare allumé tellement on a peur de ne pas se voir, quoi. Alors que j'étais juste derrière toi et 5 secondes, crac. Oh, y a une pluie de corvettes à 4 de front derrière. C'est ça, bah, j'étais dans le dedans avant de faire... Comme d'hab, hein, ça écrème petit à petit. Ouais, on fait le tri. Ah, le sous-virage, bon ça va. Ouah, pareil, je me suis fait peur. Ah, le pilote de la Porsche devant moi, là. Il cherche à freiner au panneau trop tard. Jusque là c'est passé, mais s'il y a un bac à gravier, ça passera plus. Non mais la tenue en courbe, elle est dingue. Oh là 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 là. Arrêt au stand obligatoire. Mais quel est le fuck. Pareil. Mais j'ai pas pris de pénalité. Moi non plus. Mais pourquoi. Oh là là, Blanchimont, tout en glissade du train arrière, magnifique. On espère qu'ils avaient pris des photos, les spectateurs, parce que là... Oh, pareil, ça passe. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Non, mais c'est la force de cette corvette, c'est qu'elle elle tient tellement bien en virage, quoi. Mais les prix de moteur de l'IMSA sont tellement abusés. Ouais, c'est ça, en fait, c'est dommage. Je suis remonté P9, ça va. Wow, attention le raidillon. C'est passé. Oh là là, la laisser glisser dans le raidillon, c'est un kiff. Ah, ça passe juste. Ouais, mais toi t'as l'arrière un peu plus raide, ça se trouve. Ouais, j'ai juste rajouté du roulis, tout simplement. Je suis monté à 20 ou 21 au lieu des 18 de base ou 17. Et ça suffit à la faire s'appuyer sur l'arrière et elle bouge pas. Même pas bouger la rigidité. Et devant, on croirait qu'on est sous, comment dire, full coursier l'eau, tellement c'est propre. Il y en a pas un qui bouge, il y en a pas un qui attaque, on est tous dans le même rythme, on bouge pas, quoi. Oh là là, mais l'entrée dans Pouhon, oh là là, une fois que tu la mets dedans, elle est inscrite, elle ne bouge plus, quoi. Non, non, mais attention avec ton esprit. Il n'y a pas de... Voilà, l'esprit pervers de Max qui refait surface. Et pourquoi réhaussant obligatoire, les gars. Ouais, non, je n'ai pas suivi non plus. Est-ce que je peux me prendre une pénalité? Toi qui as participé au développement de ce superbe jeu. Bah non, bah attends, j'en ai honte maintenant, faut pas le dire. Oh, large à Blanchimont, mais c'est propre. Même pas de pénalité? Non mais... Oh, je suis revenu d'une force. Il y a drapeau jaune dans la ligne droite F1, aucune idée de savoir pourquoi, parce qu'il y a personne. Ouais, effectivement. Ah bah devant ça commence à... Oh, oh mon dieu. Pas de...
Je vais devoir couper ça au montage. Je suis en train de m'arracher pour revenir sur votre petit groupe là, mais par contre 5 secondes. Je ne suis pas du tout serein avec. Sincèrement, moi je l'ai bien en main, mais elle commence un petit peu à glisser un certain virage. Oh là là, devant ils ont essayé de passer à 3 de fond dans le speaker corner et ça passera pas. Ça passera pas. Moi je vais en profiter. Me voilà dans le top 5. Oh là là, l'Audi était pas contente. Elle a emmené la roue dedans. J'ai su m'infiltrer, je suis 5ème. J'ai toujours la roue derrière qui est très très chaude, qui veut se venger de l'Audi, mais je suis entre les deux. Donc va falloir attendre un petit peu s'il vous plaît. Va falloir me laisser vivre. Oh là là, l'Audi a pris très cher. Alors devant j'ai que des gros moteurs. Il y a une SLS, il y a la Z4, mais il n'y a que du gros moteur devant. Il n'y a que des gros moteurs, la Z4. Ouais. Et je suis bouché. Est-ce que l'Audi peut bouger? Il y a des gens qui ont une compétition à faire. Merci. Oh, il zigzague dans tout. Oh, je l'ai pas vu. Oh putain. J'avais pas vu la roof qui était passée à l'intérieur. Je viens de perdre la 5ème place, mais oh la vache. La roof est passée dans un trou avant Blanchimont. Pff, oh là là. Et il va aller chercher l'Audi. Il va aller au freinage chercher l'Audi. Elle ferme la porte. Ça va toucher. Non, ça touche pas. J'ose même pas aller attaquer, parce que ça va me revenir sur le coin de la tronche, cette histoire. Et je vais me prendre la Corvette. Ah bah, au moins, ça reste en famille. Ouais, non, mais c'est moi qui vais me faire avoir avec leur bêtise, là. Oh, c'est très serré, cette histoire. C'est serré, mais c'est propre. Le rédillon toujours très chaud. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai gagné 2 places. Ça rentre au box. Oh la vache. Je n'ai que du jaune dans mon rétroviseur. Et j'ai failli être la victime collatérale de l'explication entre la roue et l'Audi. Je vais rigoler, mais j'ai plus de points de vitesse avec la Z4 GT3 qu'avec la Corvette. Hein. Ah, mais ça, c'est le talent, ça. Par contre, la Corvette, j'aimerais bien l'avoir sur la boucle nord. C'est avec le couple qu'elle se paye. Ouais. Elle doit en mettre 2-3 d'accord, je pense. À voir les setups, mais pour l'instant, je pense que l'Aston est au-dessus. Hein. Bah, l'Aston reste la référence. L'Aston GTE, ouais. Ah, et c'est un slowdown pour la roof qui est allé trop loin dans le double gauche. Quel dommage. Alors que j'ai fait exactement la même chose, mais moi j'ai pas pris de pénalité. Ouais, ça me suffit pas pour vous rattraper. Oh, j'ai juste pu lui passer devant. Je suis P4. Mais je peux devenir P17 en 2 secondes. Oh! Eh ben voilà. Ah, ça y est? Ouais! Oh, je l'ai sauvé au raccordement. J'ai perdu 2 places, mais j'ai été surpris par le vibreur. Ah, c'est dommage. Oh, j'y vais. Ah bah voilà, Max, merci d'être venu. Ah, la roue intérieure dans le vibreur, ça. Ah, je vais prendre une pénalité. Oh la vache. Ah non, là j'ai les pneus qui commencent à me dire bye bye là. Ah, j'ai pas regardé où j'en étais. Oh la vache, oui, ils prennent cher le train avant. Par contre, là, la grosse dérive, je suis monté à 100 dans les pneus, là. Ah là, attention, il y a du tête à queue au niveau de la source. Alors, est-ce que c'était un gars qui était devant? Oui, on récupère le top 5. Donc, il y a une E92 qui est arrêtée à la source, hein. Fais gaffe. Ok. Mais elle est hors trash, donc ça va. Et on est plus... Non, désolé, mais je viens de voir la Ginetta à l'accélération dans mon rétroviseur, c'était très drôle. Ah, les bons vieux trolls, évidemment. Ah, il manque toujours 10 degrés dans les pneus. Hein. Oh là là, il me shoot avec la Ginetta. Il me shoot. Et je prends la pénalité en plus. Non mais, la blague.
Alors moi je parle pas trop évidemment, parce que j'essaie de me concentrer, parce que je vais ramasser les miettes comme je fais souvent. Je ne suis qu'un ramasse-miettes moi, en disant après, vous avez vu, j'ai fait un podium alors que j'ai fait une course d'attente pendant 20 minutes. Mais ah, ça commence à fumer devant. Je vais prendre la pénalité, non ça va. Par contre, faudra régler ce... Alors, si vous avez dans les commentaires une solution pour ce souci de arrêt au stand obligatoire, parce que j'ai pas pris de pénalité, le spotter n'a rien dit, Max a eu ça aussi. Donc, si vous faites partie de l'équipe de SMS ou si vous savez pourquoi, écrivez-nous. Bon, moi, je suis bien... Parce que voilà, chaque fois que je passe, il marque arrêt au stand obligatoire. P5. C'est ça, ouais, mais toujours au même endroit. Oh, il a perdu la Corvette au raccordement. Oh, il la perd encore. Bah, j'ai une théorie fiable, hein, cela dit, hein, sur ce problème. Oh, attends, parce que là, je suis la Blanchimont dans l'AstroTurf et ça se passe pas comme je voudrais. Voilà. Je t'en prie, explique ta théorie. On est sur le projet de carte, c'est un bug. Ah, mais non, mais c'est un pléonasme. Projet de carte, c'est bugué, sans deck. Bon, nous voilà P4, parce que la Corvette devant a pris un... Un petit coup sur la tête avec une pénalité. Donc on est pied de podium. Oh, on va être P2. Non, P3, j'exagère. Je m'emballe un petit peu, excusez-moi. Et on est P3. Formidable. Mais je pense que tout le monde doit stopper au moins une fois. Il y a un arrêt obligatoire, tu penses? Bah, tu sais que moi, je suis tellement dans l'abysse de la course que je tente de ne pas arrêter. Simplement. Ah, mais moi, pour l'instant, je suis au podium là, donc. Ouais, donc c'est qu'il y a un arrêt obligatoire, c'est parce que ça pourrait pas arriver. Ça. Ouais. Tu le sens le doute dans ma voix ou pas? Ah, écoute, moi je suis tente, hein. Ah, parce que mon spotter il me dit oui, alors t'as autant de secondes de retard sur la P2, tout va bien et tout. Et chaque fois que je sors du raccordement, c'est hé, t'as un pit stop obligatoire, mon gars. Ouais, bah pareil, il me le remet à chaque fois. Ça, c'est le problème de trouver une session sympa et de plonger dedans en disant bon, en fait, il y a combien de tours, il y a combien de... Parce qu'il faut savoir que là, je fais une course de 8 tours, j'ai 66 litres dans le bac. Hein. Donc là, le réservoir, 66 litres, voilà. Il me reste 67, là. Allez, reviens. Voilà. Alors il y a un truc que je peux faire aussi, c'est rentrer au dernier moment, dans le dernier tour. Je suis en 4 ou en 3 là? En 3, pardon. Je me perds dans mes rapports de boîte. Ce qui est tout à fait normal quand t'es pilote. Je suis en combien là? Ah ouais, c'est marqué sur le tableau de bord. C'est vrai, c'est pas comme si c'était énorme sur la Corvette. Oui, en plus. À P3, lap 6, arrêt au stand obligatoire. Bon, bah, écoutez. Non mais le botec de la Corvette est vraiment super bien fait par contre. Ah, j'ai un petit fait pour celui de la Cadillac. C'est du même acabit. C'est hein. Exactement le même, c'est pour ça que je te dis ça. C'est du copier-coller. Ah, mais tout le monde rentre, donc je pense en effet qu'il y a un arrêt obligatoire. Je résisterai, je ne le ferai pas. Et je monte P2. Le mec s'emballe alors qu'il sait qu'il y a un arrêt à faire. Et je suis P2. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Blanchimont? Ah mais le plaisir, moi, c'est le haut du raidillon et Blanchimont. T'es tellement à la limite du grip. Oh, il y en a un qui l'a perdu au haut du raidillon. La roof. Et je suis en tête. Attention. En tête et je ne mets pas la sixième, ce qui est dommage. Ah, j'ai une Z4 au cul avec des phares qui vont. Je dois m'inquiéter ou pas? Ouais, parce que c'était le germanique. Très très bon. Hein, ouais, le Poleman en 2.15 là. On va l'emmerder un petit peu. Hein. Tu sais que j'ai quand même su faire mon meilleur tour en 2.22. Hein. J'arrive à rien à faire. Ah, je ne fais rien. Je suis en 2.21.1 moi. Ouais, donc en fait on est totalement à la ramasse. Quoi. Oui, mais on a le poids du carburant, on va dire.
et je la refais au fond. Ah. C'est bon, c'est reparti. C'est marrant les Allemands parce qu'on les a derrière, ça change nous les Belges. D'habitude ils sont devant nous avec leur caravane sur l'autoroute. Pour une fois, les Allemands sont derrière les Belges qui sont plus lents. Parce que oui, je suis totalement plus lent que lui. Hein. Il tourne en 2.15, je suis en 2.21. Imaginez le calvaire pour ce garçon. Il doit perdre ses freins, il doit perdre ses pneus. Et tout ça sans pouvoir te passer en ligne droite. Et les appels de phare, je suis sur deux trajectoires. Non, je vais pas la... je vais le laisser passer parce que je sais qu'il est plus rapide quand même. Mais je l'aurais emmerdé pendant un tour. Voilà. Ah et donc il y va lui sur les chicanes hein, quand même. Alors, en même temps avec la Z4 tu peux quoi. Non mais là il y va pas sur les vibreurs, il y va vraiment sur les gendarmes couchés quoi, les boudins que toi tu prends ça avec n'importe quelle autre caisse, tu perds ta suspension. Ah bah oui c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'éclater un triangle avant à chaque fois que je passe en train. Bon, on va rentrer dans le dernier tour, j'espère que je serai pas pénalisé puisqu'il compte que la pitlane est avant le dernier tour. Et voilà, disqualifié, non-respect du passage au box, MDR. Sérieux? MDR. Merci. Alors je te dis merci parce que je viens de rentrer direct. Mais je peux stopper dans le dernier tour, c'est quoi cette... De... La pitlane est avant la ligne d'arrivée. Project Car, merci. Mais va... Va te... Outre jeu de... Fais par... Pour des... Putain. Merci. Ton sacrifice n'est pas vain, je rentre en P5. Ah, mais comment est-ce possible? Quelle infamie! Ah! Ah, c'est tellement dur! J'étais tellement bien! Ah, mais comment? Mais la pitlane, elle est avant la ligne d'arrivée! Je pouvais stopper dans le dernier tour! Dans le dernier tour! Oh, hey, c'est fabuleux! Y'a pas à dire! Ah! Ah, là, c'est... Bon, en même temps, ça fait 15 ans que je joue au jeu de bagnole, je savais que je devais stopper avant le 8ème tour, sinon j'allais être disqualifié, je savais que dans le code du jeu c'était mauvais. Je le savais, mais je me dis, j'ai eu l'espoir. Et quelle immonde défaite! Oh, ah quel, là là! Quelle magnifique remontée! Et l'autre, il va faire un top 5, au calme. C'est rien fait de la course! Il va faire son top 5, regardez-le, il est là, il est tranquille avec sa petite Corvette, il est tout content. Voilà. Très, très 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 loin de tout le monde et je finis tranquillou. Bah en roue libre. Bon bah la prochaine fois on sait qu'on mettra moitié de carburant. On ira peut-être encore plus vite parce que là bon les 60 litres merci quoi. C'était... Oh ah là 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 là, je suis tellement déçu. Mais en plus tu m'as fait ça mais pile au moment où je prends la chicane quoi. J'ai mis un coup de volant à droite mais à fond quoi. Pour rentrer au stand, tu m'avais averti, mais à la dernière seconde, hein, je suis rentré mais comme un sauvage dans les... Ah, mais comment est-ce possible de se faire avoir aussi bêtement, Max? Oh. Je pouvais peut-être faire un top 5, pas un podium, parce qu'il fallait que je stoppe. Ah, et le GG, merci, en tout cas, pour le GG. On le prend très bien, en tout cas, ici. En tout cas, vous vouliez des courses en ligne avec des rebondissements. J'ai fait une belle course, je me dis je vais faire un beau résultat et tout. Non, non! Disqualifié parce que la pitlane, elle est... Voilà, elle est avant la ligne d'arrivée. Je pouvais rentrer, piter, sortir, mais le jeu l'aurait pas compté. Je le savais, c'est comme ça dans tous les jeux. J'ai voulu tenter, comme ça je le sais, je suis bien sûr maintenant. Et voilà, donc il y avait un passage obligatoire au box dans cette session. Mais bon, c'est dommage. C'est vrai que sur 8 tours, ça gâche un peu la course, je trouve. C'est un peu dommage, mais bon, l'idée était bonne. Maintenant, je suis fixé pour les prochaines courses en ligne et Max y allume les phares pour bien me troller. Voilà. Bah, surtout, je me suis aperçu que je les avais pas d'allumés. Attends, les feux jaunes, enfin, en GT, il y a des feux jaunes. Je vais les mettre, quoi. Et voilà, les appels de phares de Max qui remporte au moins un top 5, si j'ai bien vu. Top 4, top 4. Et voilà, le pied de podium qu'il me vole, puisque... Je n'ai rien fait, voilà. Je l'ai. Mais voilà, Max était là, il était présent.
Et il a profité, tel une petite souris, de ramasser les miettes d'un vrai pilote qui a tenu le top 5 toute la course et qui s'est fait disqualifier parce qu'il ne sait pas lire un règlement. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette course en ligne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en compagnie de Max. Et cette fois-ci, je respecterai le règlement. Salut.